Les avocats tournent, le procureur tourne. Scène inhabituelle ce matin au quartier Bounabok, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Plus de 20 familles sont désormais sans abri au lieu dit boulevard de la République. Les habitations installées sur cette emprise d'une superficie de 700 mètres carrés ont été démolies par un certain Kamto Maker, reconnu comme le propriétaire de cet espace. Monsieur a mis tout le site au sol. Et maintenant, regardez la barrière. Est-ce que c'est mon dormi où? Point d'interrogation. Personne ne parle. Ça fait 40 ans que je suis ici. C'était la forêt. Je n'avais pas problème. Les gens qui ont l'argent n'ont pas fait le faux titre. Dans Douala, le titre est dans Douala premier. On vient dans Douala 5 mai nuit. D'après les témoignages, l'espace Kaorlé est occupé depuis plus de 30 ans. Les habitants crient justice. Nous sommes au tribunal avec cette affaire depuis 2015 et on a rendez-vous le 28. Le parquet n'a pas encore décidé. C'est le 28 qu'on pourra voir ce qui a lieu de faire comme décision. Mais avant le 28, on anticipe, on vient casser. C'est pas normal. Il faut que l'État, c'est l'injustice au Cameroun. Il faut que, donc c'est lui maintenant qui décide ce qu'il doit faire. Donc il s'en fout de la loi. La loi n'existe pas pour lui. Donc ça existe seulement pour les autres. Les documents mis à notre disposition déclarent que le protagoniste est non coupable et ordonnent la discontinuité des poursuites sur le fondement de ce conflit. Nous avons un titre foncier sur cet espace depuis 30 ans. On a engagé des procédures contre ces personnes ou le tribunal. On a fait confiance à la justice et aux autorités administratives et des forces de l'ordre qui nous ont donné gain de cause. Les tribunaux, c'est le résultat de cette opération que nous sommes ici aujourd'hui. Face à ce qui est perçu comme l'injustice par les familles qui se retrouvent sans domicile et qui dénoncent les manipulations malsaines faites contre elles, celles-ci souhaitent que la loi soit clairement dite sur cette affaire lors de la prochaine convocation prévue en novembre. C'est donc une affaire à suivre.